Toutes et à tous, je suis Chobiti et on se retrouve pour la suite de Paper Trail. On avait commencé à fuir la maison de nos parents, on était dans une grotte et on va essayer d'en sortir. C'est parti! Et donc, on se retrouve exactement là où on s'est laissé et j'avais vu plus ou moins par accident que. Il fallait faire ça pour aller récupérer cette clé. Ah! Il nous faut un 4 si on veut pouvoir faire ça. Ah, c'est intéressant. Comment je peux avoir un 4? Ok, l'autre 4 est là. Voilà, l'autre 4 est là et on récupère le petit origami, responsable des trous dans l'emmental. Sacrée petite souris. Donc maintenant qu'on a la clé, on peut ouvrir la porte. Et la porte, effectivement, elle nous permet de faire ça. Ce qui nous avance. Ok, parce que du coup, comme celle-ci est reliée à l'autre, on peut avancer. J'étais là, par le passé, au début. Je suis sûr qu'il y a une sortie juste par. Ok. Regardons un peu. Donc il y a un petit origami ici. Ok, je peux tout voir en fait. Ici on a un, ici on a un aussi. Je vois pas comment rapprocher ce 1-là. Il va sans doute y avoir des pliages qui vont nous intéresser. Non. Non, non. Ma chère Paige reste là. Voilà, je peux faire ça. Qui m'arrange un tout petit peu. Un tout petit peu. Il y a le caillou, hein. Faut pas oublier que c'est ce qu'on va venir chercher. Et sauf que si je mets un 1 ici, je vais pas pouvoir. Je peux faire ça, mais il faut quand même que je puisse y arriver. Oui, on est d'accord, tu peux pas y aller. Hein. Par contre, est-ce que ce symbole nous débloque des choses? Pas du tout. Puis on peut pas replier une fois qu'on a plié. Alors peut-être qu'il faut. Sauf que si je plie, je peux plus y aller. Réfléchissons, réfléchissons. J'ai pas d'autres 4 typiquement qui me permettraient. Parce que ça m'active, mais je peux pas y aller. Faut que je réussisse déjà à aller jusqu'ici. Ou alors, j'ai loupé quelque chose. Ce qu'il faut, c'est la clé. La clé, on est d'accord, la clé est là. Ce qu'il nous faut, c'est caillou. On a un caillou ici. Un caillou là. Comment je vais ici. Ah oui. Ok. Ah, il y a un petit origami, il faut pas l'oublier. Donc. Je prends la clé. Ici, je peux pas y aller parce que on a dit il n'y a pas le 4.
Il faut que tu bouges, ma chère. Il faut que tu bouges encore un peu. Voilà. Donc, tu vas nous pousser ce caillou jusque-là. Celui-là, c'est bon. Je vérifie. Non. Donc, ensuite, cet origami par là. Comment on va pouvoir l'attraper? Oui, là je peux pas passer, bien évidemment. Donc, on va mettre. C'était dans quel sens? C'était. Oui, je peux pas plier ça. Ah si, je peux, mais. Donc pour ça, il faut pas être. Il faut être bien placé. Ça marche pas, on a dit. Je l'ai déjà plus. C'est déjà plus ce que j'ai fait tout à l'heure. Pour avoir. Non mais reste ici toi, c'est le coin que je veux. Hop, on déplie. Donc c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Hop. Bouge un petit peu. Et est-ce que je peux, par exemple, pas tout à fait, du coup. Bien évidemment, si je fais ça, ça marche pas non plus. Sont comment? Ils sont sur la même ligne pourtant. Après, on peut faire simple, hein. On peut tout simplement aller là. Ça sera le plus. Ah non, il y a un caillou, je peux pas passer. J'avais pas vu qu'il y avait un caillou et que je pouvais pas passer. Donc ce n'est pas le plus simple. Voilà, je peux aller là, comme ça. Ouvrir la porte. Je vais pouvoir pousser mon caillou. Non, mon caillou. Mon caillou qui va me casser les cacahuètes. Oui, parce que c'est exactement ça que je veux pas faire. Donc il va nous falloir un petit peu de latitude. Et j'aimerais bien aller là aussi, pour avoir le petit secret. Oui, forcément, si je me mets dessus, je peux plus y arriver. Et comme ça m'amène de l'autre sens, ce qui m'intéresse pas. Voilà. Sauf que du coup, faut que je puisse remonter. Et que là, je crois que j'ai encore choisi un truc qui était à peine intéressant. Je peux remonter, mais est-ce que ça m'arrange plus que ça? Et je peux pas. On est d'accord, hein, je peux pas plier plus que deux raisons. J'ai un 1, un 1. Il y a un 1 ici.
Du coup, revenons à nos moutons. C'est ça, je peux pas aller de ici à là. Faut que je remonte. Et pour remonter, il faut que je retrouve comment je suis descendu. Et bien évidemment, vu que je m'en souviens pas, on va se marrer. Ici, il n'y a rien. Ici, il n'y a rien non plus. Ici, je peux descendre de 1. Est-ce un intérêt? Oui, ça a un intérêt. Je peux retourner là. Est-ce que je peux, d'une manière ou d'une autre, avoir cet origami? J'aimerais bien avoir cet origami là. Ah oui, attends, je peux pas traverser là. Je peux pas traverser là. Mais comment j'ai fait? Je peux pas descendre plus, ce qui m'embête un peu. Comment je suis arrivée là? Oui, je sais bien, ma chère. C'est avec ça que je suis arrivée là? Oui, c'est avec ça que je suis arrivée là. Ouais, donc pour réussir à avoir cet origami là, il va falloir faire ce genre de choses. Donc, on va le faire. On est. On passe comme ça. Voilà, un petit origami. Un rat. Une souris en plus grosse. Bon, toujours est-il que nous, il faut qu'on bouge notre pierre. Ça reste notre objectif premier. Du coup, je vais peut-être venir de par là. Si je viens de par là, non, je peux pas aller voir ma pierre. Non, je peux pas. Il n'y a rien pour me permettre d'atteindre cette pierre. Oui, du coup, si je referme, je peux pas passer. Par contre, je vais quand même casser ce petit totem là. Voilà. Et maintenant, il nous faut pousser cette pierre, sachant qu'on a ça qui va nous casser les cacahuètes. Ah, on va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intelligent comme ça. Donc je l'amène là. Sauf qu'après, je peux pas bouger. Du coup, c'était pas intelligent. Parce que je peux pas annuler. Puis si je la pousse. Ah si, j'ai peut-être moyen. Genre, je la pousse là. Enfin, je la tire là. Oui, après, je peux pas. Je peux pas non plus. Ah, mais. Et ce 1. Ce 1. Hop.
Si je l'emmène là, ça m'arrange pas plus. Il faut vraiment qu'on puisse la faire descendre par là. Ça n'a bien évidemment aucun intérêt. Et ça, il n'y a rien qui peut nous aider. J'aurais quand même tendance à dire qu'il doit y avoir quelque chose ici. Si je te pousse là, est-ce que je peux repousser ma pierre? Ah oui, je peux pousser ma pierre. Voilà. Et du coup, on peut sortir. Ou pas, hein? Vas-y, vas-y, cocotte. Une sortie! Enfin! Depuis combien d'années suis-je parti? Ça fait bien longtemps que je n'ai pas vu la lune. Mais les marais qui t'attendent sont trop dangereux la nuit. Repose-nous un peu. Je te montrerai le chemin demain matin. We found a quiet corner of the cave and settled in for the night. Alors, ce coin My new friend promised to deliver my letter home, now that he knew the way back. As I lay by the fire, I fell into a deep sleep and dreamt of home. It was a cool winter morning, and the sun was rising over Southfold. Two twins had arrived earlier that night. A perfect girl called Paige, and a stinker called Oscar. They were inseparable. But I'll have to tell you more another time. It's already morning. We packed up our things and put out the last embers of the fire. After saying goodbye, I set off into the swamps alone. Hopefully there's no alligators. On va s'arrêter là pour cet épisode qui nous permet de compléter la cave et on verra le marais lors du prochain. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!